Et donc, bonjour à tous, je vous retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de YOLO Mineshaft. Épisode 3, on va continuer ce qu'on faisait l'épisode passé, j'aurai ça juste à la suite, du coup, j'ai encore rien fait, hein, forcément. Du coup, on va aller chercher nos panneaux solaires, avec la clé, bien sûr, parce que si pas, on va se faire niquer nos solar panels. Et ce serait dommage. On va aller chercher. Voilà. C'est pas là que je vais aller, c'est pas grave. Ah oui! Mais du coup, il va nous en falloir un de Heavy Transformer. Parce que si pas, on va se faire niquer. Parce que si pas, la puissance que le panneau solaire va envoyer va être trop puissante. Et du coup, des Heavy Transformer, il nous en faut deux. J'allais faire de la merde en gros. Heureusement que ça m'est venu en tête. Parce que si pas, ça allait être caca. 1, 4, 5. C'est tout juste. Ouais, quoique. 1, 2, 3, c'est suffisant. C'est suffisant. Il m'en fallait 8. Hop là. Peut faire. Ça nous donne ça. Ça on le met au milieu. Il nous faut du bois. Et on n'a plus de câble, de tin. Super. Boum, boum, boum. Deuxième Heavy Transformer. On peut pas les stacker, c'est dommage. On va les placer ça. Non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Faut que je me fasse ça avant. Voilà. Low voltage solar panel. Solar array, pardon. Pardon. Et là, c'est plus un solaire panel, du coup, je suis niqué. Le seum. Du coup, bon, on va se faire un escalier, vous savez quoi, ce sera plus simple que toujours devoir péter le bloc. Alors. Vous savez pas la chance de trou du cul que j'ai eu de récupérer ma bad box. Vous ne savez pas. Du coup, le petit trou, là, on va l'orienter par là. Pourquoi j'ai deux Heavy Transformer? Oh, du coup, j'ai niqué la plus. Pourquoi j'ai des Heavy Transformer? Ah ouais, non, c'est bon. J'allais dire what? Il faut ça. Il faut un Heavy Transformer. Je suppose que les trois points, c'est la sortie. Voilà. Pour pas faire de conneries, on va faire ça. Et ça pète pas. Et me dites pas que c'est l'inverse, que le Heavy Transformer il va en dessous, que le bad box elle est au-dessus. Parce que alors là je serais baisé. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je vais faire ça aussi.
Vous savez quoi, je vais faire ça. Je vais enlever celui-là pour être sûr que ça pète pas. Je vais changer de direction. Et là, elle se remplit. Ok. Donc ça, c'est l'entrée d'énergie. Ça sort. Ok. Ça veut dire. Eh ben, que je suis encore une fois bien baisé dans le cul. Parce que ça, je dois le faire passer là. J'ai plus de clé. Lol. Lol. Je suis. Mais. Quand je vous dis. Mais. Je suis... Ah! Il me faut de la poudre pour faire du truc là. Donc en gros, faut que je replace bien mon solar panel. Et tout. Et que ça fasse pas de la merde. Parce que si je le place mal, je suis niqué. Ok. Du coup. Madbox ça. Je suis niqué, je change comment de sens. Non, c'est bon. On va dire que c'est bon. La boum, et là c'est censé remplir la bad box. Super, ça me remplit la bad box. On va la laisser. Je la laisse se remplir, ça va aller vite, et je vous retrouve dès qu'elle est remplie. Ok, donc re tout le monde, je vous retrouve une fois que la bad box est remplie. Et comme vous pouvez le voir ici dans ma main, j'ai du bronzing hot, ce qui veut dire que l'on va faire l'electric wrench. Et oui, il est temps de la faire. Donc le craft est pas compliqué, c'est juste que ça me fait chier parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de câbles. Enfin, beaucoup, beaucoup. Tout est relatif quoi, mais bon. Faut quand même du câble là. Pas insulé. Et c'est que j'en ai pas en fait, du copper. Donc je vais aller chercher dans les coffres de la query. Ouais, si, je devrais en avoir assez. Alors, extracteur, j'ai mis le resin, la sticky resin, les bûches à macérer. Enfin, extractor pour faire du caoutchouc, du rubber. Voilà, je trouvais plus le mot. Et du coup, voilà, on attend le truc pour faire des câbles. Du coup, là, on en a déjà 4 et en tout, nous en faut 18. Il nous faut que 9 lingots, ouais, on va en faire 20 à la limite pour être sûr et certain d'en avoir assez, mais on va toujours devoir prendre le marteau, la pince. Avec les automatiques crafting table, normalement on devrait pouvoir faire ça. Non, je peux en faire qu'un, voilà. On va tout mettre. Je pense que j'en aurai assez. Ouais, parfait. Ça, il faut de l'iron. J'en ai. Électronique circuit. Ouais, pas celui-là. L'électronique circuit, j'ai de quoi faire. La pile, j'ai de quoi faire. Et l'iron item, du coup, il faut des iron plates. Circuit électrique, voilà. Il en faut qu'un. Du moins, je pense. Il en faut qu'un. Une, hop, hop. Ça va là.
Du coup, il nous faut de l'iron 2. Deux, je crois. Iron frappé, ouais, c'est ça. Ça, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Iron plate. Il en faut deux, donc un seul. Et il nous manque la batterie. Et pour la batterie, il nous faut des tin plates. Et pour des tin plates, il me refaut une plaque. Et hop, voilà, j'ai assez. Et il manque le tin cable avec du rubber. On va le garder comme ça. Alors, le rubber, le rubber, le rubber, le rubber, tin cable. Rubber, boum, ça, pas ah, cela, celle-là, boum. Alors maintenant, craft, non pas ça, s'il te plaît, pas ça, celui-là, voilà, celui-là, comme ça. Hey, ça je vous ai pas encore montré. C'est quand on clique sur le point d'interrogation, le craft se met directement dans la table de craft. Donc du coup, on met les fers, on met. Ce truc là, super, je l'ai pas fait. Encore un crash serveur. Encore un crash. Bon, bah, je vous retrouve tout de suite. Re, donc voilà, je vous ai dit, c'est normal, ça risque encore d'être. Ça risque d'être encore instable. Du coup, j'en étais à faire le truc là, que j'ai pas fait, que j'ai cru que j'avais fait en fait. À faire ça. Voilà, donc il me faut des tin plate en plus. C'est pas. Pas dramatique, il m'en faut que deux, donc hop, 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 ça. Il me faut du fer au milieu et c'est parfait. Hop, 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 et le fer, boum, boum, et on a tout ce qu'il nous faut. J'ai oublié ce truc là. Boum, voilà. Et du coup, maintenant qu'on a ça, on prend ça. D'abord, faut peut-être que je fasse la wrench. Hop. Eh ben, je mets une wrench à côté de ce truc là. Et boum, ça fait une electric wrench. Et ce truc là, ça va nous durer tout le temps. On aura plus besoin. Enfin, elle va plus péter quoi. Elle va plus nous péter dans les mains comme juste avant. Et ça, c'est quelque chose de. Très 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 intéressant. Par contre, faut la recharger parce que si pas là, elle ne sert à rien. Ça finit donc je vais mettre ça. Donc, ce qu'on va faire pour la recharger, c'est très simple. C'est qu'on va aller dans la bad box. Voilà. Et comme vous voyez, là il y a deux cases et on va la mettre dans celle-là. Bon, ça se recharge très vite. Et du coup, la bad box elle s'est vidée, mais elle va se remplir très rapidement. Alors, bad box. Ça coûte quoi ce truc là? Charge pas, c'est pas ça qu'il me faut. Ouais, c'est faisable. C'est faisable, on a de quoi. Ouais, on a de quoi. On va faire ça. On va en refaire une deuxième pour l'extérieur. Alors. Déjà faire du bois pour après. Alors du coup, il nous faut du tin. Hop, un truc du style. Si on en a trop, c'est pas dramatique. Normalement, on a le nombre juste. Voilà. Les câbles, il faut que je les insule et pas que je les insulte. On a le nombre juste. Voilà. Je commence à connaître les crafts par cœur maintenant. Hop. Et vous aussi à la fin, vous les connaîtrez par cœur. Après, il nous manque un câble en tin, c'est parfait. On n'a plus de tin. Voilà. Boum. J'ai encore devoir refaire un marteau et une pince. Je le sens bien. Pas ma wrench, ça. Du coup, il faut l'insuler parce que si pas, c'est pas marrant s'il n'y a pas de rubber. Ça,
Les batteries au milieu et le reste c'est du bois. On a notre autre bad box, super. On va pouvoir péter ce câble. Voilà. On va pouvoir faire un truc plus par ici. Du coup, on va mettre une bad box là. Deux trous. Par là. Non, justement, c'est la sortie le trou. Le trou, c'est la sortie. La sortie, on la veut là. Voilà, là sur le côté. Et là, on veut bah, l'entrée. Donc, ce sera panneau solaire. Et le panneau solaire, on va mettre. On va faire l'inverse. Du coup, bah, l'EV Transformer, faudra le bouger aussi. Hop, panneau solaire. Le LV Transformer et pas Alvilia. Voilà, blague de merde, super. Voilà, normalement le panneau solaire, celui-là, il devrait assumer pour toutes les machines, du moins pour le temps que je me refasse d'autres panneaux solaires. Et le gros, bah, il devrait tenir hein, pour tout ça. Par contre, faudrait que je me remette le LV Transformer. Donc. Pouf. Et il manque un câble. Ouais, c'était pas une bonne idée de sauter. Hop, voilà, comme ça. Comme ça, on récupère l'autre vieux câble à la con. On fait ça. Et on fait ça. Là, le heavy transformer, voilà. Et la bad box se remplit. Et du coup, si la bad box se remplit, on peut allumer le moteur. Non, on va attendre que la bad box soit remplie. On va attendre que la bad box soit remplie. C'est une bonne idée. Du coup, bah, j'attends qu'elle soit remplie et je vous retrouve tout de suite. Et donc, les amis, je vous retrouve une fois que tout est installé, etc. Le panneau solaire, il est mis là. La bad box, elle est pleine. Hein, voilà. Il n'a pas fallu longtemps. L'autre panneau solaire, il est là. Il alimente tout. Et du coup là je me ferai un deuxième panneau solaire sûrement dans pas longtemps. Comme je vous l'ai dit juste avant. Du coup bah, la bad box elle est pleine. Du coup je peux ralimenter ça. Et on va tout de suite voir combien il prend en truc, s'il prend 20 ou s'il va prendre plus. Espérons qu'il prenne plus que 20. Ça il va déjà limite des 40. Ce qui n'est pas négligeable. Il va déjà les limites des 40 presque. De temps en temps, et là il vient seulement d'être lancé donc il est froid. Il est qu'à peine 50-50. Ce serait bien qu'il atteigne les 40, franchement, ou plus. Pour que la curie elle aille nettement plus vite. Ou au pire, je vais essayer d'en mettre un deuxième. Il est censé avoir assez d'électricité. Ouais, ça descend à peine quoi. C'est. Je pense bien que je vais chercher le deuxième que j'ai fait. Pour voir ce que ça donne. Donc là, ça nous a donné plein de rubber, c'est parfait. Le deuxième engine il est là. Si ça peut aller plus vite, parce que là, la curie est franchement vraiment lente. Je trouve. Attendez, parce que là il commence à chauffer. Du coup, je vais voir comment, à quelle vitesse elle va. Et si je trouve qu'elle va pas si vite, je rajoute le deuxième. Elle va pas assez vite. Ok. Pour moi, c'est pas assez rapide. On va rajouter le deuxième moteur. On va tout péter les câbles. Voilà.
retourne à votre box. Et on va mettre. J'allais chercher un levier et la wooden transport, enfin wooden kinesis pipe qu'il me reste. Hop, ça je peux ranger avec les autres. Non, pas les steaks, ça. Et levier, ils sont où les leviers? Les leviers sont là, il m'en faut un. Pris les 15 câbles qu'il y avait, comme ça au cas où. Que j'ai peur de pas en avoir assez pour tout faire. Ah oui, j'ai fait un truc tout moche là, mais je pense pas que ça va rester. Je pense que je vais. Pas ça. Mais je pense que je vais l'enlever parce que c'est moche. C'était pour que les mobs ils pop pas et tout, mais. Vu que je passe la nuit, en fait, je m'en fous un peu. Voilà. Qu'on va mettre ça là. Ça là. Et normalement l'électricité c'est censé popper quand ce sera chaud. Vu que là il y a 20-20, donc il est censé avoir 40. La bad box. Elle commence à descendre un peu. Hein. C'est faible. Faudra de temps en temps en couper un des deux, mais. Mais quand on regarde le truc là, ça devient de plus en plus. Ça devient gros. Ça devient gros et tout. Et quand c'est gros ainsi, c'est intéressant. Parce que plus le petit fil bleu là qu'il y a dans le tuyau, il est gros, plus il y a de l'énergie. Et regardez la query. Eh ben, elle va toujours aussi. Ah non! Elle va plus vite. Voilà. Ça se rapproche déjà plus de la vitesse d'une vraie query. Normalement, ça va un petit peu plus vite. Mais pour ici, ça va quoi. Ici ça va, moi je préfère ça que celle d'avant. Oh là, elle va bien, elle va bien, elle va bien. Vous dire ce qui est, elle va bien. C'est du copper ça? Non, c'est du fer. Ah, les mineurs ils prennent un peu plus de temps quand même. On va voir si c'est du fer. Ah, c'était du fer. Nous, il nous faut du copper. Et quand on regarde, hop. C'est tout, le système de tri est toujours good. Pourquoi il n'y en envoie plus aucune dans le coffre? Ouais, si, je sais pas. Ah, je sais pas. En tout cas, ça marche bien. Moi, c'est le principal. Hein. De toute façon, c'est que de la cobble, ça, j'en ai déjà plein le drum là. Ah, c'est pas un drum, c'est un. Un baril, mais c'est le même. Enfin. Ouais, je sais pas s'il dit ça, un baril ou je sais plus quoi. Dans le baril, ouais, si, baril. Tu. Bah, justement, parlant de baril et tout, on a de la cobble à mettre dedans. Boum, une. On met ça là. Comme ça et comme ceci. Solar panel en plus. Par contre là j'hésite. Marteau je vais mettre là comme ça je suis sûr que je vais pas me tromper. Le panneau solaire. J'hésite Thierry. Thierry j'hésite à le mettre. À le mettre là pour ces machines-ci. Ou là, parce que là il peine un peu. Hein, avec les deux machines à fond et la bad box, la bad box a du mal. Du coup, normalement, là il est branché et ça va un peu aider. Parce que la bad box, elle souffre là. Elle est au bout de sa vie, la bad box. Et ça continue de descendre. Celui-là, il n'y en aura pas encore assez. Ça je vais pas toucher parce que je j'ai pas envie de tout faire péter.
Mais ouais, ça continue de descendre, donc au pire, on désactivera un pendant un moment, le temps que ça va. Donc on va aller voir un peu la query, comment ça va. Ça a du creeper tout plein en bas. C'est un peu la merde, c'est un peu caca, mais j'aurais dû mettre de l'eau. Pour la prochaine, je mettrai de l'eau. Ça m'évitera de tomber dedans en plus. Et là, on a eu de l'uranium, de l'osmium et un peu de tin et tout. Ok. L'uranium, c'est bien. Ma spécialité, ce sera pas ça. Ce sera pas tout ce qui est nucléaire et tout, parce que enfin, je m'y connais un peu, mais bof quoi. En plus, avec le mode qui a été mis à jour et tout, il y a sûrement des trucs qui ont changé. Déjà au début, avant, enfin c'était pas mon point fort sur l'ancien Industrial Craft. On va couper un moteur si on veut qu'elle continue à tourner. Voilà, là, ça remonte. Sur l'ancien Industrial Craft, c'était déjà pas mon point fort, le nucléaire. En plus, je trouvais ça long et chiant à réaliser. Halo va s'en charger. Halo va s'en charger et donc voilà. Mécanisme, ok. Du coup, je découvre des choses. On va découvrir des choses tous ensemble. Certains découvrent le mode, certains découvrent carrément ma chaîne. Si vous l'avez pas encore fait, que ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je vais péter toutes les torches parce que c'est complètement laid. Ça m'a pris toutes mes torches en plus, cette connerie. Donc, ouais, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît. D'ailleurs, on est proche des 200. 200, c'est vidéo setup. Je vous montre tout mon setup, etc. Je vous montrerai peut-être même mon setup airsoft. Donc voilà, moi je pense qu'on va se laisser. Ah ouais, je vous ai pas montré. J'ai mis le truc des Sims en chapeau. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Donc j'ai ça. Ça. Deadman, je sais pas quoi. Ah ouais, si, c'est en dessous du casque. J'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Ah, celui-là, il est stylé quand même. Celui-là, celui-là aussi, il est stylé. Ça, c'est en dessous du casque, on voit pas. Ça, c'est moche. Truc d'ange là, hop, celui-là il est marrant, je l'aime bien celui-là. Ça c'est nul, ça c'est les travailleurs de chantier. Moi je mets celui-là, le truc des Sims. La fusée il est pas mal aussi, celui-là bah il est bien mais bof quoi, enfin je trouve ça encore moyen. Mais j'aime bien l'hélicoptère au-dessus, mais je comprends pas le délire avec le petit chapeau et la tige là. Chapeau mexicain, il est bien, mais c'est quoi? C'est celui que j'avais mis au tout premier épisode. Le truc Pokémon là. La Jack-o'-lanterne est stylée avec l'espace intérieur. Et le chapeau. Le putain de chapeau de Merlin l'enchanteur Mickey. Mickey, je sais pas quoi. Du coup, bah, moi celui que je mets, c'est celui-là. Voilà. Comme ça, j'ai le swag. Pour l'instant, le panneau solaire, il gère une machine, vu qu'il n'y a qu'une seule machine de brancher. Et c'est celui-là, là, quand la bad box est pleine, je vais relancer et faire un truc du style pour que ça accélère quand même, parce que c'est lent sinon. Et il faudra encore que je rajoute des panneaux solaires. Que je rajoute des panneaux solaires ici. Mais ça, je pense, je vais le faire en off, vous savez quoi. Et pour un prochain épisode, de toute façon, si je fais un truc en haut, je vous explique ce que j'ai fait. Je vous explique ce que j'ai fait pour moi, pas vous laisser blaser et que vous dites ça a changé, il nous a rien dit, c'est un enculé. Voilà, pouce rouge, pouce rouge, pouce rouge, parce qu'il explique pas et tout. Non, et de toute façon, moi aussi, quand je regarde une vidéo FTP ou quoi, j'aime pas qu'on fasse un truc qu'on n'explique pas après ce qui a été modifié, tu vois. Et du coup, bah, c'est pour ça que dès que je change un truc, je vous le dis, je vous le dis, je vous le montre, je vous explique comment j'ai fait, si c'est un truc plus compliqué. Mais généralement, les plus gros crafts, je les fais avec vous, je fais quelques-uns des plus petits.
Ou des trucs qu'on fera qu'une fois comme la clé normalement ensemble. On est censé le faire qu'une seule fois ensemble quoi. Voilà, j'ai encore tout ce qui est ça, bois et tout, le coffre il va nettement se remplir après avoir tout démonté là. On mettra agneau, enfin on fera un truc stylé. Vous voyez? Hop, ça c'est fait. Je vais en même temps aller faire fondre tous mes minerais que j'ai mis là, que j'avais ramené quand j'avais été miné. Ils sont là. Le ferrou, c'est tout. Pour l'instant, je commence par les plus petits, que ça prend moins longtemps, que ça prenne moins sur le solar panel. Tant que j'en ai qu'un, mais après, je ferai des trucs de 64 et tout. Ça, je le ferai aussi en off. Je vous le montrerai, mais ça, y a pas vraiment à voir. Hein. C'est de la fonte de minerai, quoi. C'est pas du plus passionnant. J'ai envie de vous dire. Et voilà. S'il y a des trucs qui changent ou quoi par rapport à la cuillerie, je vous le dis. Quand elle sera finie, je vous le dis. Je vous montrerai ce qu'on a récolté. Du coup, voilà, c'est bon, elle est pleine. On peut relancer celui-là. Je vous le dirai. Vous en faites pas. Ne vous en faites pas. La cuillerie, elle avance tout doucement. Voilà, elle commence à se relancer à la bonne vitesse. Elle accélère même encore. C'est tant mieux. Ça commence à devenir un peu plus profond. Ah, le pipeau de caverne. Le sun, c'est tout, ça m'intéresse pas. Par contre, l'aluminium et tout, ça commence à m'intéresser parce que l'aluminium, j'en ai besoin à mort pour tout ce qui est Tinker Construct. Je vous ferai une vidéo ou plusieurs même sur ce mode. Et c'est un mode qui a énormément besoin d'aluminium. C'est un truc de fou. Et l'aluminium en plus, on n'en trouve pas autant que du silver. Et c'est bien dommage parce qu'on en a besoin de tout plein. Là, ça commence déjà à descendre, mais bon, en attendant, ça tourne. Elle chauffe doucement. Elle tourne à 20, elle va plus aux alentours de 40. Voilà, celle-là, elle est jaune aussi. Ça commence à produire. Vous voyez là, le truc, il est fort fin. Voilà, il est fort fin. Et puis là, bim, directement, il grossit et ça devient nettement plus rapide et ça va de grossir sur tout le tube, vous voyez. Et donc voilà. Donc, ça va déjà faire un petit moment sur l'épisode. Attendez, je regarde. Ouais, ça va déjà faire. Oh ouais, ça va déjà faire un bon moment même. Après, bonjour pour le montage, l'upload et tout. Bon, ça va, j'ai encore une bonne connexion, mais bon, ça prend du temps et tout. Puis pour le montage aussi. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici pour ce trou. Troisième ou quatrième épisode, je sais plus. C'est déjà le début de la série, je suis déjà paumé dans les épisodes. Troisième ou quatrième épisode de Yolo Mindshaft. J'espère que ça vous plaît comme série. Moi, en tout cas, ça fait super plaisir de jouer à ça. Ça faisait déjà depuis l'été passé que je voulais faire un mode pack comme ça, style FTP et tout, FTB. Et moi, ça me fait super plaisir en plus de vous proposer ce contenu. Moi, c'est un truc que je kiffe. Hein. Et donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine, surtout si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit like vers le haut et un petit commentaire et tout pour dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, j'y réponds, il n'y a pas de souci. J'ai pas une chaîne d'amis, donc je laisse pas les commentaires de côté. Sauf si c'est des gros commentaires du style, hey, gros con, tu sais pas jouer. Enfin, si c'est un truc fait avec humour, voilà. J'adore l'humour et tout, donc si c'est un truc fait avec humour, par contre, si c'est un truc qui insulte vraiment et tout, enfin des trucs ainsi, même que ça s'insulte, je laisse même pas le commentaire visible parce que c'est complètement débile, on est là pour s'amuser sur YouTube et tout. Et s'il y a des cons qui comprennent pas ça, bah tant pis pour eux, qu'ils aillent se faire foutre. Et voilà. Et du coup, bah je regarde que les commentaires gentils ou rigolos, ou quand c'est des pertinents aussi, faut pas l'oublier. Et pertinent si c'est des questions, des trucs du style, ouais, des trucs pour m'aider aussi, ouais, t'aurais dû faire ça pour les panneaux solaires par exemple, ou des trucs ainsi, voilà. Ça, j'y réponds, j'essaye d'appliquer ce que vous me dites et tout, d'essayer des trucs. Et donc voilà. Prochain épisode déco, ce sera les. Enfin, déco et tout, construction, ce sera là, ce sera pour faire le petit potager. Et donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Orion 48226, tchuss!